Ja, ik denk dat we voor de wedstrijd erop gehamerd hadden dat we absoluut deze wedstrijd wilden winnen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de meegereisde fans. Maar ik denk dat we niet echt ons gebruikelijk niveau hebben gehaald zoals dat we de voorbije weken wel hebben gedaan. Er liep veel mis en ja, ik denk dat de scheidsrechter ook misschien iets te veel toeliet, waardoor dat de wedstrijd veel meer weg had van een rugbypartij dan een voetbalpartij. Je pense qu'on a contrôlé la plupart du match. Ensuite, il y a un goal de leur part exceptionnel. C'est des buts qu'on voit rarement et c'est un but qui sort de nulle part aussi. Comme je dis, on a été en contrôle du match. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Sinan n'a pas eu d'arrêt à faire. Mais d'un autre côté, on a manqué de qualité devant. On a manqué de qualité en général dans l'équipe aussi. Hein. J'inclus tout le monde, bien sûr. Et quand on manque de qualité, on n'arrive pas à se créer assez d'occasions. Et malgré ça, je pense qu'on a quand même deux grosses occasions avec Mike en première mi-temps et le cafouillage devant la ligne en deuxième. Donc c'est deux grosses occasions qu'on n'arrive pas à marquer. Et en Europe, ça change tout. Donc ouais, on est quand même déçus du résultat parce qu'on ne voulait pas faire ça. Mais il y a une note positive ce soir, c'est qu'on est premier du groupe. Et je pense qu'il faut retenir ça. Je pense pas que ça va être une grosse tâche sur notre campagne européenne qui a été bonne. Mais c'est sûr qu'on aurait préféré que le match déroule autrement aujourd'hui. Het publiek hier zette zich er ook achter. Ik denk dat dat ook heeft meegespeeld. Als wij thuis spelen, dan is dat ook in ons voordeel met ons publiek natuurlijk. Maar zij hebben het wel slim gespeeld. Ik denk dat ze wel op voorsprong kwamen door een mooi doelpunt. En nadien ja, wouden zij gewoon zoveel mogelijk tijd trekken. En ja, eigenlijk veel kansen hebben ze ook niet gehad. Ik denk dat ze heel weinig bij ons op onze helft zijn geweest. Maar voor onszelf hebben wij ook gewoon te weinig kansen gecreëerd. Dus uiteindelijk denk ik dat we niet op meer mochten hopen. Parce que on joue le match pour les gagner. Ils ont joué avec leurs armes. C'est-à-dire gagner du temps, faire des fautes, jouer avec l'arbitre. Et l'arbitre avait peu d'expérience, il s'est un peu laissé avoir aussi par leur jeu. Et ça a été un match qui n'a pas beaucoup de rythme parce qu'il cassait tout chaque fois avec des fautes ou il restait par terre, prenait le ballon en main. Donc ils ont été peut-être plus malins, plus vicieux que nous. On n'en a pas été et on n'a pas réussi à inverser cette tendance qui était pour eux pendant tout le match, avec le public aussi. Donc c'est une leçon pour les prochaines rencontres européennes. Ja, zeker. Het was goed nieuws dat we kregen. Die andere ploegen in de poelen hebben ons geholpen. Dus we zijn al, waren nog groepswinnaar voor deze wedstrijd. Dus dat is wel een positieve noot. En ik denk dat we die ook moeten meenemen naar, of daarop moeten verder bouwen naar volgend weekend toe. Oui, voilà, c'est une leçon que dans un environnement hostile comme aujourd'hui, on doit être capable de réagir autrement. Donc, comme vous dites, on va apprendre de ça. Et puis, comme le coach l'a dit, c'est surtout une bonne soirée parce qu'on est qualifié. Il faut retenir ça aussi.